Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo en compagnie de Astrid en background. Hello. Je vais enfin ouvrir mes colis aujourd'hui parce que je sais pas si vous voyez à chaque fois ou si vous suivez Astrid sur mes snap, sur ses snap, enfin si vous suivez Astrid sur snap ou moi. Genre à chaque fois on snap, ouais Amélie d'ouvrir ses colis, Amélie d'ouvrir ses colis et tout. Mais parce que en fait je touchais grave pas mes colis ça. Et là j'ai accumulé genre plus d'un mois de colis, un mois et demi même plus. Parce que bah tu sais, vous savez pendant la période du bac et tout, genre j'avais pas trop la tête à ouvrir des colis, du coup ça s'empilait, ça s'empilait, ça s'empilait. Et du coup je me suis dit, autant faire une vidéo quoi, du coup Astrid va m'aider, ouais. Parce que toute seule je crois que je m'en serais jamais sortie. Du coup elle va m'ouvrir les cartons et je vais vous présenter ce que j'ai reçu, enfin au fur et à mesure, enfin voilà. J'espère que la vidéo elle va pas être trop longue, je vais essayer de me dépêcher, de pas trop parler. Et voilà quoi, c'est Noël tous les jours en fait, elle me donne ça comme si, qu'est-ce que c'est, Nars, qu'est-ce qu'on a de chez Nars? On a blush, fard à paupières, poudre. Ça va être trop long de vous montrer tous les produits. Je sais pas si je fais. Je sais pas comment je vais organiser cette vidéo. Moi, je connais tous les produits déjà parce que ouais. Bah, je pense pas que je vais tout vous montrer. Ouais, le packaging, il est trop beau. Bleu comme ça, j'avais gris. J'avais jamais vu chez Nars. Mais cette collection, elle est trop belle, genre. Ouais. C'est trop beau, ça. Bleu, tu sais. Et ensuite on a, bon tu vas m'aider hein, quand tu vois que c'est deux palettes. Ok, deux palettes. Ah il y a une palette, ah c'est trop bien ça, c'est en fait c'est une palette genre de fard, mais c'est pour les lèvres. Fard lèvres. Sérieux? Ouais, et c'est texture quoi? Texture fard? Texture fard. Je crois que tu dois mettre un rouge à lèvres et après par dessus tu mets ça. J'ai pas testé encore, j'ai pas eu le temps mais je sais pas quand j'ai vu ça j'ai fait waouh, crash test. Waouh, crash test. Tu vois, je crois que t'as plusieurs. T'as du gel, tu mets celui de gauche et après tu mets la poudre par-dessus, les quatre autres. Ouais, putain, elle est trop jolie. On dirait, ça, on dirait une texture velvet. Okay. Ouais, ouais. C'est ça? Je sais pas. C'est vrai, ça, ouais, ouais. Et donc, la palette Night Golden, c'est une palette de fard à paupières. Donc, on va voir. Ouh, ah, c'est très automnal. Ouais. J'aime beaucoup le packaging, en tout cas, il est trop mignon. Ensuite, merci bien. Castel Bajac, c'est ça. Un petit... une décoration comme ça, trop chou. Ça, je l'ai déjà vu 30 000 fois dans la chambre de mes soeurs. Castel Bajac, faire de chaque jour le plus beau jour de sa vie et de chaque instant le plus heureux de moments. Cute. Ah, c'est un carnet. Ah oh, ouais, c'est trop mignon ça, les carnets comme ça. Avec un stylo. Ouais, ah, c'est ça, un stylo, il ressemble à même à... Ouais, il est trop beau. À ceux de... Swarovski. Ouais, voilà. Et donc on a. Ah, c'est ça le parfum que je t'ai pris. Ah oui, le oui, petit. En fait, elle avait un parfum déjà. Et ah oui, ouais. Ouais. Du coup, elle l'a pris. C'était celui-là et je trouvais qu'il sentait grave bon. Du coup, je lui ai pris. Et bah voilà, je l'ai en deux fois. Et ça, c'est quoi? C'est le même en plus grand? Ouais, je crois que c'est ça. Ok, bah voilà. C'est le même parfum. Trop mignon, il y a la miniature et le grand parfum. Qu'est-ce qu'on a? De chez 1944. J'aime bien cette marque, franchement. Je connaissais pas avant, j'ai testé quelques produits, tu sais, pour les sourcils et tout, et genre j'ai kiffé. Ah oui, ça j'avais vu dans la chambre d'Astrid aussi. Mais tu viens juste de l'ouvrir que maintenant, celui-là? Bah ouais. Et ouais, j'ai l'impression que je l'utilise depuis 3 mois. Sérieux? Et si tu veux pas la vie, tu me le donnes. Non mais en plus, c'est que j'avais grave besoin d'un petit blender, j'ai pas le tien et tout. Elle l'a donné, il est trop bien. Bah il a l'air d'être trop bien du coup, je vais le garder. Ensuite, on a un Instant Lift fond de teint. C'est tout petit et tout, genre ça a l'air d'être grave facile à... Mais je sais pas si c'est ma teinte. Parce que je mets pas trop de fond de teint, mais genre tout à l'heure j'en ai mis un tout petit peu, mais c'est pas... Ouais, c'est pas pour tout le visage, genre. Ah, c'est comme ça que ça s'ouvre. Ouais, c'est marrant, tu mets à la main, genre. Ah ouais, ok. Il a l'air d'être grave épais. Mm-hmm. Bah, à tester. De la teinte beige nature, c'est... Ah bah t'as ça. Cute, oui. Un petit bandana. Ah, en anti-cerne, mais trop bien. Anti-cerne, ça je vais grave l'utiliser en tant que correcteur et tout. J'espère que c'est ma teinte. Et un concealer en stick waterproof. Mais trop bien, et ce carton il était trop bien celui-là. Ah, vert, c'est pour cacher les rougeurs, non? Ouais, j'aime trop. Oh yes. Ouais. Trop. C'est lourd ça. Ah oui, de chez Make Up For Ever. Alors, on a des crayons color pencil pour les yeux, si je me trompe pas, c'est ça? C'est pour les yeux et les lèvres. Pour les yeux et les lèvres, pour les deux. Ah oui, wow. J'ai pas encore ouvert mon colis, mais à mon avis, ah oui, et ceux-là aussi. Oh, mais les crayons, ils sont trop beaux, ça fait grave vintage en plus. Oh putain, mais il y a plein. Là, ces couleurs-là, c'est grave, les couleurs, elles sont trop belles. Marron, rouge. Ça, tout ça. Comment ça peut avoir la même texture pour les lèvres et pour les yeux? Je sais pas.
Bah ça, je pense que c'est plus une texture. Ah bah, enfin c'est plus une texture. Oh, j'ai trop yeux. Mais ouais, je vois. Ouais, mais genre quand même, tu peux les mettre sur les lèvres, genre. En bas. Oh, trop mignon. Mais ça c'est trop pratique. Oh là. Je vais te pleurer. On a un taille crayon. Oh, la vie, on en a jamais. Ouais, bah pour les trucs. Et on a un carnet. Un double carnet. Attention. Je crois que tu peux les décoller, non? Ah ouais. Je crois que tu peux les décoller, non? Non, c'est à coller, c'est collé. Et on a step 1 skin equalizer. Base, yeux et lèvres. Ah ça je l'ai déjà testé, il est grave bien franchement. Une base pour les yeux et pour les lèvres. Ça lisse de ouf les lèvres quand vous voulez mettre un rouge à lèvres et que ça fasse bien lisse et tout, ouais. Ok, merci Make Up Forever. Ah bon, je dis pas merci à chaque fois, je vais remercier tout le monde à la fin. Ensuite, on a le chez Fresh. Un t-shirt rose comme ça. Après j'aime trop leur, leur baume à lèvres qui sent le caramel là. On a une petite pochette. C'est trop bien la pochette. Ah ouais, mais ça pour voyager et tout. Fresh X Cézanne. Ah, je connais pas Cézanne. Sugar. C'est les baumes à lèvres, vous devez sûrement les connaître, qui sont grave connus. Comme ça. Qui teintent les lèvres. On a un masque à la rose pour le visage. Ça doit être hydratant ça. Ouais, hydratant. En vert. On a un nettoyant pour le visage. Ça on l'a déjà reçu aussi. Je ne l'ai pas encore testé. Un tout petit truc comme ça, c'est quoi? C'est un... contour des yeux, non? Non, une crème... pour le visage hydratante. Oh mais c'est tout petit, c'est trop mignon. En plus j'aime trop tester des crèmes. Oh c'est trop mignon ça. Mais ça c'est grave quand tu voyages et tout. Je vais prendre ça. Ensuite on a... j'aime trop les tote bags, j'en ai acheté en vrai. Play with color. Qu'est-ce que c'est, quelle marque ça? C'est un truc pour teinter les cheveux je crois. Mais je suis pas sûre. Pour teinter... Ah wow. Et on a une brosse en bois. Tout type de cheveux. Attends, je vais juste voir comment elle est la texture. Ah oui, tu pensais que c'était une brosse avec des picots? Non, c'est une brosse avec des poils comme ça. Ensuite, bonjour, c'est trop pratique d'avoir une soeur. De chez Talika Paris. On a... oh, dis-moi que c'est des masques. Oh ouais. Yes. Before party, after party. Every time. Oui, c'est des masques. Il y a des contours des yeux, c'est ça. Un masque pour les yeux et pour le visage. Les masques comme ça, on en a jamais assez, franchement, c'est trop bien. Tous les dimanches, là, tu tombes tu masques. Ah ouais, tu fais tous les dimanches? Ouais. Sérieux? Bah avant, quand j'étais en mode cours et tout, mais là, pendant les vacances, je pense que ça va être en mode... quand j'en ai envie, tu vois. Voilà. Ça, t'as pas encore ouvert, choqué. Ensuite... trop bien, ça, c'est je valide. Fresh, oh oui, c'est les baumes à lèvres. Ouais. Oh là là. J'adore. Ouais, moi aussi, les baumes à lèvres. J'ai déjà testé celui au caramel, celui-là. Ouais. Et on a quoi? Citron. Citron, coco, chocolat, pêche, coco. Ah j'ai déjà testé le pêche d'Amandine, c'est trop bon, j'ai envie de le faire. J'adore chocolat, j'adore. Chocolat, waouh. Je valide. Une boîte, trop mignon. Ça donne pas envie de défaire le... ouais. J'ai envie de sentir chocolat. Chocolat, ils sont tout fins comme ça là. Ah mais tu sais ce que ça sent? Ça sent leur... La vie de ma mère, je le garde. Non, on l'a reçu en deux fois, je l'ai reçu en deux fois, mais trop bien. Non, mais je le garde. Non, c'est bon, moi c'est mes colis, c'est mes colis, c'est mes colis. Ça sent leur... gommage. Ouais, gommage au chocolat. C'est exactement ça, et ça sent trop bon parce que sous la douche et tout là, à chaque fois que je le fais, ça sent trop bon. Oh les... voilà. Oh, le packaging blanc comme ça, ça fait super stick. Ouais, j'adore. Oh putain. Ça sent les... les vacances. Les rochers. Non, comment ça s'appelle? Quoi? Non mais attends, il y a des problèmes, pareil, je pense que t'es collé en double, meuf. C'est des masques, là, Talika. Cousine, il y a écrit Amandine. Ah merde, putain, elle aussi, elle peut pas ouvrir ses colis. Ah merde, putain, on va ouvrir ses colis, ça veut dire? Non, j'ai regardé les autres, c'est toi et toi et toi. Ensuite... putain, c'est Noël. De chez Origine. Trop bien. Waouh, la boîte, elle est trop bien, déjà. Tada! Waouh! Ah, mais si, ouais. Masque peel off, ça on a déjà reçu. Je l'ai jamais testé, j'ai déjà testé le gommage. Le gommage, ouais, il est grave. Tu veux que je fasse ta vidéo à ta place, non? Je crois. Hein. Mousse nettoyante pour le visage, on a reçu un masque purifiant au charbon, ça trop bien parce que ça détoxifie de ouf la peau le charbon. On a
1 masque, primer, pré-masque optimisant. Ouais, tu mets ça d'abord et après tu mets tous les masques qui sont là. Enfin, tous les masques, genre tu mets ça, okay. Ensuite, on a un masque de nuit pour étancher la soif cutanée. La peau super sèche comme moi. Ah ouais, ça c'est trop bien. Ensuite, eh, les packaging ils sont trop beaux. Un masque retexturisant à l'argile rose. Un 10 minute masque. Eh, mais il y a que des masques, c'est trop bien. Ouais, c'est que des masques, c'est trop bien. Et on a un 10 minute masque de survie pour peau à problème. Ça, c'est pour moi, ça. Je te jure. Dans ma vidéo, j'ai ouvert ça et j'ai dit, ouais, c'est trop pour toi. Pour les problèmes de peau, genre boutons et tout. Ensuite, on a de chez Yves Rocher. Oh, mais moi aussi, j'ai reçu Yves Rocher. Tu sais que j'ai failli acheter en plus le mon oeil. Ah, sérieux, bah. Ouais, parce que je le trouvais trop beau, je me suis dit ça pour l'été, vacances et tout là. On a un pur Camille, c'est un baume pour le corps hydratant, je crois. C'est ça. Ah, j'ai mis du rouge à lèvres. Comme ceci. Ensuite, on a démaquillant express yeux. Tu sais qu'en plus, j'ai testé le tien, il était dans la salle de bain et je l'ai trop kiffé. Et le lendemain, je l'ai plus vu et j'étais dégoûtée. J'en ai acheté un. Tu sais, le quoi gros là. Ouais, bah c'est. Non, mais trop bien, genre moi comme ça j'en ai plein, genre pour. Parce que je mets que du waterproof, du coup j'utilise du démaquillant avec de l'huile. Et on a une crème pour les mains hydratante longue durée. Moisturizing. Elle a l'air de sentir trop bien. Ça, tu vas galérer ta mère. C'est quoi? Plein de paillettes. Oh non. Non, la crème elle sent bon. De chez Dr. Jart. 1. Hydra Sleeping Mask pour les pieds. Ah non, un masque hydratant. Les masques de chez Dr. Jart, ils sont trop bien parce qu'ils sont grave. Ouais. Ils sont trop bien. Ah, ah oui, ouais, ça c'est pour le soir. Ouais, non, c'est vraiment bien. C'est cool. Tu l'as déjà testé? Ouais, une fois ça t'hydrate vraiment. Les hydrate la peau et protège la barrière cutanée. Le packaging il est grave cute. Ensuite, on a des chaussons. Ouais, je les ai. Licorne. Et on a un liège. Ouais, ça je le mets quand le soir, tu sais, quand j'ai les paralysies du sommeil, je mets un peu de lumière comme ça, ça évite, tu vois, le malaise. Ouais. Aussi quand je ferai mes paralyses du sommeil, je mettrai ça. Ensuite, de chez Marc Jacobs Beauty. Oh, la boîte, elle est trop belle. Waouh. Wow. On les a pas ceux-là. Au début, je croyais qu'on les avait, mais en fait, ceux-là, c'est quand tu les tires, tu sais, il faut que tu les ouvres, tu tires. Ouais, ah oui, c'est ça. Mais attention, tu peux pas les refermer. On a fait la même erreur avec Camille. Je suis vraiment. Ok, ça sert quoi d'avoir les sur YouTube aussi. Ok, bah voilà alors. Mais ils sont hyper glossy. Ah, mais on dirait ouais des gloss en mode que tu dois ouvrir comme ça. Ouais, c'est sûr qu'on peut pas faire comme ça. Bah, tu sais, les gloss qui sont comme ça, ouais. Bah, ça c'est la version stick, genre encore plus. Ah, ok. Attends, celui-là il est trop beau. Ouais, trop beau. Waouh, bordeaux comme ça, rouge. Magnifique. Ah, ouais, ça voit qu'ils sont grave glossy. La boîte elle est trop belle, genre tu poses ça et ziac. Ensuite, de chez Glam Glow. Ah, mais ça on connaît, c'est ouais, les masques. Ça pour les vacances. Ouais, les petits. Mais les masques Glam Glow, je les ai tous finis, ils sont trop bien. Ça chauffe un peu une fois qu'on met les masques, ouais. Mais ils sont trop bien. Surtout les peel-off aussi. Et du coup, ça pour les vacances, trop bien. Enfin, quand on se déplace. Waouh, oh. Ils sont fun. Ils sont fun. Des masques Glam Glow. C'est pas ceux qui brillent. Ah, paillettes. Ouais, si, Astrid, elle avait déjà fait un masque comme ça. Je suis venue dans sa chambre, j'ai fait hey. Ah, cute, Little Pony. Oh, trop mignon. Mais ils sont trop beaux en plus, ces masques. Eh, mais je suis choquée, Little Pony, genre. Ouais. Ils ont fait avec Little Pony, avec. Power Rangers. Ouais, Power Rangers. Ça, je trouve ça ouf. Point raffermissant, masque raffermissant. Et l'odeur en plus, c'est trop bon. Et raffermissant, les trois. On a de chez Fenty Beauty. Waouh. Ah oui, ça c'est ce que j'ai dit. Des trio enlumineurs à lèvres irisées. Pour pas dire gloss. Pour pas dire gloss irisé. Ah, les packaging, waouh. Trop beau ça, c'est quoi ça? Highlighter duo. Rihanna, elle rigole pas au niveau des packaging. Hein. Waouh. Regardez. Chose avec ces deux couleurs. Voilà, voilà. Et on a. T'es coupé? Wow, non, presque, j'ai trop peur. Tu m'as fait peur. La puce. Fard à paupières liquide scintillant. Oh waouh, trop beau. Ça, c'est trop beau pour mettre au milieu de la paupière là. Waouh, trop beau. Fard à paupières liquide. Wow, trop beau. Ensuite, fraîche aujourd'hui, ils sont très très présents. On adore. Galérer toute seule, hein, toute ma mère. Ouais, mais je crois que toute seule, je l'aurais jamais fait en fait. J'aurais attendu jusqu'à ce que la maison soit remplie. On a un soul face. Un nettoyant pour les yeux et le visage.
édition limitée. Waouh, il est énorme. Wow. Le packaging, il est trop beau. Fraîche, vous pouvez retrouver cette marque à Sephora, je pense, vous savez. Toujours nettoyant pour le visage, c'est le même que tout à l'heure. Et un nettoyant visage au soja, pareil. Pareil, nettoyant pour le visage. À tester. NYX. NYX, je les aime trop. On a... Oh, regardez, c'est trop beau. C'est une banane? Ouais. Mais je vais la mettre hein. Oh waouh. Mais ils sont trop forts. Enfin ils sont trop waouh. Il faut enlever le plastique. Ah il y a un plastique dessus. Ouais. Ouais oui ouais ça sent ok. On a Highlighter. Highlighter. Ah oh, trop beau. Trop beau. Highlighter NYX en 3 teintes. On a des pinceaux. Oh lolo. Un pinceau éventail comme ça et un pinceau c'est quoi un pinceau pour, le contouring peut-être. Et on a ça c'est quoi oui, chromatique lip gloss ouais. Pour les lèvres. Ah c'est pour les lèvres. Shimmer chatoyant là. Shimmer, shimmer chatoyant c'est ça. Non oh, c'est pas celui-là. Chatoyant pour les lèvres. Shimmer lip gloss. Fair play. Il est trop beau. Trop beau, waouh! C'est grave irisé, waouh! Trop beau, waouh! Du coup, on a reçu plein de couleurs comme ça! Marc Jacobs Beauty! On a Coconut, oh mais ça, leur poudre bronzante au coco, à la note, à la coco, elles sont trop bonnes! Oh, ouais, c'est un bronzer! Ensuite, on a une palette pour les yeux Iconic! Palette! On a les versions packaging noir, ça c'est le packaging plus long. Ah oui, ouais. Vous pouvez voir le bordel par terre. Trop beau. Celle-là, là, elle a l'air d'être trop jolie. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, ah, poudre. Poudre, ça c'est pour toi. Ça c'est trop pour moi, les poudres comme ça. Waouh. Waouh, elle est trop belle, le packaging il est trop beau. Une poudre libre comme ça. Et ça c'est Coconut Gel Highlighter Drop. Ah mais oui, il est comme ça. Oh, ah non, waouh. Moi, il est orange. Sérieux, il est trop beau, la couleur, elle est trop belle. Ensuite, donc, de chez Courrèges, un petit parfum comme ça, mini jupe. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que sinon ça va prendre trop de temps, mais... On vous en dira des nouvelles. Sûr. Voilà, mais voilà, petit parfum. Ensuite, de chez Skin Food, tu vas de l'eau. Elle a mis ça dans la tête. Mais ah, un splash mask. C'est un masque en masque. Masque liquide comme ça. Bah à tester, hein, je vous en redirai des nouvelles. Et il y a deux pistolets à eau comme ça. Cute. Et enfin, de chez 1944 encore. Oh les boîtes elles sont trop mignonnes, franchement j'aime trop les boîtes. Waouh. Waouh. C'est... Oh il y a des sucettes. Mais oui j'en ai déjà mangé une. Amandine elle est venue, elle m'a fait tuer une sucette. Ah merde elle est cassée. Non, tu veux une sucette en forme de bouche comme ça, franchement elles sont grave bonnes mais elles sont tellement longues à manger genre. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qu'on a? C'est que des rouges à lèvres mat. Que des rouges à lèvres mat? Ok. Mais Amandine a dit qu'il était grave bien. Ah oui ouais, j'ai entendu aussi quand elle avait crié dans la maison. Allez, on l'a vu. Moi je te jure. Nous on se fait des revues comme ouais, ça. Ouais on se fait des revues à travers. C'est trop bien collé comme ça. Ouais. Genre... Ah mais on s'est collé là. Bon bah voilà. J'ai fini d'ouvrir tous mes colis. Merci à toutes les marques. Je vais pas toutes les citer parce que je sais que j'en ai oublié 1944, NYX, Skinfood, tout ça, tout ça. Merci à toutes les marques pour tous ces produits. Grâce à vous, j'ai plus de place dans ma chambre. mais voilà, merci beaucoup. Ça me permet de grave de tester des produits et tout. Du coup, voilà, je vous en redirai des nouvelles. Bref, oh, mais si vous voyez par terre là, attendez, mais je crois, attendez. Attends. Regardez, c'est horrible. Oh mon dieu, le bordel. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des produits, vous voulez que je vous fasse des revues, que je vous en parle sur Snap, que je vous en parle sur Instagram, si jamais vous... enfin, il y a des trucs qui vous intéressent, que je... enfin, vous voulez que je teste avant que vous puissiez vous-même les tester ou les acheter. Donc voilà, ça a été un plaisir d'ouvrir mes colis avec vous, avec Astrid qui va m'aider à tout ranger. Ah bah, ça va me donner des trucs. Donc voilà, bah, sinon je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.